accélère nos campagnes devant différentes campagnes comités au niveau de l'Ouad, au niveau de la ville. Et nos plus grands alliés dans cette élection-là, c'est l'intelligence de l'électorat. Nous fait faire face à un électorat intelligent qui vient témoin depuis cette bonne année de la dégradation de notre territoire. Le pays taxe et de souffrir. Combien de gens, si entrepreneur, chauffeur taxi, coiffeur, boucher, faire blanchier, mécanicien bicyclette, marchand légumes, marchand en bus dans l'ensemble, loyer, tout du monde, marchand bazar, de tout payer, et je connais que je casse pendant cette bonne année une dilapidée. Et nous devons faire face à cette élection-là, une équipe qui a grossé aussi au gouvernement. Pour nous, cette élection-là, nos messages, c'est qu'il y a une élection sanction. Déjà, depuis plusieurs jours, dans les quatre coins des cinq villes, au poteau nous bande banderole, le 9 décembre, élection, correction. Il y a la bouche tout du monde. 9 décembre, élection, correction. Sauf d'un MCD. Mais d'un beaucoup bien nous. Et pour nous, il y a une sanction à deux points, c'est-à-dire sanction au niveau municipal et sanction au niveau politique national. On va bien faire un catalogue de BFR tous les jours, sanction au niveau politique national. Au niveau de la ville, nos campagnes démarrées hier soir, c'est une démonstration. Au niveau de la direction, nous félicitons le cavalier de Capot. Ce n'est pas un meeting d'une élection municipale, ça. Moi, qu'un vétéran. C'est un meeting d'une ambiance élection générale. Dimoun, un habitant de Capot, éclairage depuis l'affaire Kaba. Éclairage depuis l'histoire de Guyane. Et ça, c'est une démonstration. Et c'est un avant-goût qui est à dire par signe exhabituel pour trouver à Capot. À Port-Louis, dit de même. Partout dans les quatre coins du Port-Louis, c'est un larage de vin. Boba-Saint-Rosine, mon papa vient de dire, massacre. Massacre de Boba-Saint-Rosine. La ville de la culture, la capitale du sport, une mine de cimetière. Et les habitants qui attendent solaire et une équipe motivée. Vacua-Phoenix, pareil. Toute l'équipe de Vacua-Phoenix, en plein campagne, et nous l'équipe à Vacua-Phoenix, d'un mood de vin, et que pipe, pas besoin de dire encore, et que ça va un langage qui soutient le PCRI, et ça l'arrogance qui manient les municipalités, au niveau de Cœur-Pipe ici, nous congrès à Cœur-Pipe, qui est un congrès extraordinaire, et nous démarrage à Cœur-Pipe, et tout le monde connaît à Cœur-Pipe, même haut et faux, nous perdons la victoire, et nous dialyguons, nous dénonçons le jeu infect de Dimbo qui fait faire le jeu de Navin Ramoulam, et l'histoire va bien dire, cela va être un grand permis qui nous donnait pour Golfla, dans quelle situation, pour qui tout le monde, pour qui l'intérêt, nous donnons un grand permis Golfla, après nous avoir comprendre, nous allons composer de M. Dimbo. Nous, comme ça, dans la ville pénant, dans l'atmosphère même qui nous vient dans l'atmosphère de la ville, nous sentons espèce à la déprime. Mais qui nous les fait? Nous les amène à une nouvelle gestion. Nous les innover. Et qui s'en a pas l'innove ça? Je te présente une équipe du changement la semaine dernière. C'est une équipe formidable. C'est un bon mélange d'anciens et de nouveaux. C'est une équipe composée de bonnes jeunes. Il y a une vingtaine de candidats qui n'ont la trentaine, moins de la trentaine. 30 candidats dynamiques qui ont une compétence professionnelle. Deux jeunes filles de 22 ans. 15 anciens conseillers et maires. C'est un militant et une militante de MSM et de nous-mêmes qui est animé par une seule volonté, bien servir de la ville et servir de citadins. Maintenant, après ce qui nous vient trouver dans ma municipalité, nous les transformons l'espace urbain. Et bien, une proposition de l'équipe, MMM-MSM, destinée à faire d'une bonne la ville, bonne modèle, en termes d'innovation, de modernité, d'efficience, en ce qui concerne bonne service, et surtout avec
la démocratie, c'est-à-dire avec la participation de bonnes citadins. Nous les bonnes villes dynamiques, parce que bonnes villes, c'est bonnes poumons économiques. Quand on cause un capital économique comment pour lui, avec ce pot, avec tout ce qui déroulait, c'est le poumon économique. Nous faisons démontrer que sa machine économique du pays fonctionne bien. Nous les bonnes villes dynamiques, à côté d'un développement, à côté d'un projet, à côté d'un projet infrastructure, à côté d'une activité, éducation, récréative, loisirs, culturels, sportifs, comme ma camarade Radès Tibédialis, qui rosait l'île de Minière. Nous voulons qu'il y ait une ville qui n'a pas un espace de rejet et un espace de la peur. Nous voulons une ville qui a une sécurité, l'eau et l'eau. Et ça, tout du monde est en tête, tout ce qui est passé dans le centre de Quatre-Bonnes, dans le centre de Brésil, dans le centre de Pauli. Combien de meurtres finalement? La drogue, la prostitution. Le pétrole, la ville fait venir un baron. Le centre-ville fait venir un baron. Et c'est ça qui nous l'est proposé quand nous propose des villes qui sont sûres, côté de la sécurité et le sentiment de bien vivre qui est au centre de nos bonnes villes. Nous avons une ville qui est solidaire. Que bon citadin, tout bon citadin, avec la fierté d'appartenir à la ville, qui est au bas de l'échelle. Ou ailleurs, je gagne une attention constante de la municipalité pour améliorer votre qualité de vie, votre cadre de vie. Ville solidaire aussi veut dire qu'il y a une synergie entre l'institution, la ville, la municipalité, le secteur privé, la société civile, pour combattre tout ban fléau aujourd'hui qui fait nous ban la ville, nous ban l'espace de rejet, la drogue, l'alcoolisme, criminalité, prostitution, gambling. Il faudrait que nous ban la ville capable de respirer à nouveau dans l'environnement sain. Donc la philosophie générale de nos programmes, c'est une gestion saine et transparente dans la transparence de tout ban municipalité. Nettoyer dans un premier temps, redresser, innover, mettre tout bon citoyen en board, adopter une politique de proximité, ben les maires qui sont capables d'aller et pas pire, et non pas assister comme un shérif dans le bureau, ben conseiller, qui en contact permanent avec d'autres bandes mandants. Là, nous peut dire que quand nous bons camarades, c'est faire pot à pot, garder un petit cornet, notre bon petit problème. Était soit un député capable, ou soit demain, je suis même capable de régler ce problème-là. Vous venez avec un petit code, que vous prenez un numéro de téléphone, que le citadin pour capable de contacter le futur conseiller. Parce qu'on propose la santé publique, l'environnement, ce qui est global, ce qui est national, mais aussi local. Donc, nous visons dépasse sa vision minimaliste du rôle de la collectivité locale, qui est considérée des voies grains avec la lumière. Et c'est pour ça qu'il nous fait proposer ce qu'ils ont trouvé derrière au sabbat prochain. Nous fait dire autres qui nous fait présenter la semaine dernière l'équipe du changement. Mais nous pénagissons l'équipe, nous venons un projet. Et ce projet-là, c'est même l'idée pour chaque la chose. Et qui nous vision été, c'est même la ville dynamique. Qui bougeait, qui vivent dans la ville sûre, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas en danger, sa sécurité personnelle n'est pas menacée, ni sa famille quotidien. Et dans la ville solidaire, qui est solidaire vis-à-vis de tout le monde qui a un problème qui est dans le pays. Chaque famille. C'est ça le concept qui est répété lors de nos paroles. Cinq l'aspect de nous. Premier, c'est la gestion. Nous voulons une gestion rigoureuse qui fait dans la transparence et avec communication tout azimut, communication tout le temps. Ça, c'est le premier axe. Une gestion rigoureuse, dans la transparence et dans la communication permanente. Le deuxième axe,
c'est l'efficacité. L'efficacité dans la façon que la municipalité délivre dans le sens. Troisième axe, c'est l'animation de la vie dans la ville et la solidarité. Quatrième axe, c'est ce qu'on fait dire. Qui manière nous répond localement au niveau de la ville à la préoccupation qui nous banne citoyens, qui nous banne citadins et n'a généralement une préoccupation nationale. Et cinquièmement, c'est l'éco-développement. Qui la ville est un pôle de développement économique, mais dans une perspective d'un développement vert, d'un développement durable. Laisse-moi donner quelques exemples, car je pourrais dans le document de l'éducation. Quand on dit style de gestion, rigueur, transparence, communication, c'est d'abord un code de déontologie. Il grand temps qu'il y a à produire un code déontologique qui met un débat d'ordre, un guide pour le conseiller pour le travail. Un suivi de ma défense systématique et qui est ouvert au public, qui est transparent. Une rencontre. Il faudrait que la finance municipale, c'est un livre ouvert, qui n'importe qui citoyen capable de consulter n'importe quand, n'importe où. Développement de ma site internet municipal. Avec ce qu'on appelle l'outil de demande en ligne, online services, interactifs. Mais aussi l'ouverture, qu'il est conseil municipal, ou qu'on a 15, ou qu'on a 18, ou qu'on a 24 conseillers dans la municipalité, mais ce n'est pas eux qui propriétaires de la ville pendant 6 ans. Mais l'ouverture à travers la commission extra-municipaux, le ramassage d'ordures, le problème d'éclairage, d'économie, d'énergie, capable d'amener une bonne volonté de la ville, nous fait penser un conseil local de la vie associative pour permettre de reconnaître le travail de notre ONG. Et à 6 ans d'autres, vous discutez devant le problème de la ville. Donc ça, c'est la première dimension, c'est la gestion rigoureuse dans la transparence et dans la communication. Deuxième, ce qui vous a fait me poser, c'est productivité. Productivité, naturellement, pour introduire la notion de efficacité, pour introduire la notion de productivité et d'efficience dans la façon qu'il nous délivre dans le service. Là, il y a une des choses qui est importante. D'abord, la demande. Nous te propose un suivi rigoureux de ma demande, de ma plainte, de ma représentation, et assurer qu'ils soient traités en réduisant le temps d'attente. La grande complainte de ma citoyen aujourd'hui, de ma citadin, c'est qu'il nous fait des demandes municipalités, pas agir, nous attendre, nous reste attendre, donc agir par rapport à ça. L'efficacité, c'est d'abord et avant tout ça. Pas le marchand bilan, problème posé dans tous nos mandats. Nous fait dire qu'une fois pour toutes, dans le cadre de nos programmes, qui nous visent au niveau de chaque la ville, créer des infrastructures pour reloger les marchands de rue durablement et dans le respect de leur dignité. Bizarre les autres. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. En tout cas, un commerce en bien établi et insulter la communauté de bains marchands. Troisième dimension de causer, c'est l'animation et la solidarité. Il y en a beaucoup à dire. Quelques exemples rapides. Dans le centre municipal, qui vous intéresse au bien, c'est ce qu'on est derrière la considération tous les jours, avec un ami. Dans le point Wi-Fi, dans le point névralgique de la ville, dans le point continue de fréquenter centre-ville, mais aussi dans une cité différente, un point Wi-Fi dans chaque cité, dans le quartier populaire. Nous les mettons la culture en mouvement, ce qui disparaît des thèmes tous les temps. Créer une école municipale d'initiation aux arts, constitution de ma troupe municipale, qui développe l'enseignement et la pratique artistique. Nous les développe sa concept du sport pour tous. Pas juste réhabilite une infrastructure, mais prend tout le banzen, encourage autres à faire sport et développe un parcours de santé dans chaque coin de nouvelles navires. Pour que le sport devienne vraiment quelque chose qui appartient à tous, c'est pas juste un athlète professionnel, tout en soutenant un athlète de haut niveau et un club de sport. L'animation et la solidarité, c'est aussi un effort particulier vis-à-vis d'un senior. N'oubliez trop souvent qu'il y a un pourcentage constamment en augmentation de nos populations urbaines, c'est ben vous nager au-delà de 60 ans. Et il y a tout un service de développement de service d'aide à ben senior qui vous bien guider. L'établissement qui fois d'un guichet unique dans chacun de nos villes, c'est pour ben vous nager. La solidarité, c'est aussi ça travail avec ben ONG en faveur de ben population fragilisée au niveau de ben ville. Je pense en particulier à une structure d'accueil pour une femme victime de violence domestique. Dans les enfants maltraités au niveau de chaque lac.
travaille avec le gouvernement central, mais aussi et surtout avec Mme l'ONG et Mme l'association. Quatrième axe qui nous tient posé, c'est de répondre localement à Mme préoccupation majeure. Alors ça, c'est capital. Hein. Premièrement, sécurité publique. La municipalité ne va pas dire sécurité publique, ça c'est la police, n'y pas concerné. Nous avons devoir d'assurer la tranquillité dans le monde de la ville. Donc, pour bien, nous, la municipalité, assurer une bonne toléance du public, lui suivre par la police, assure par exemple la vidéosurveillance de la grande galerie commerciale dans son centre-ville, lutter à travers ma campagne contre l'incivilité tous les jours, dans le pistolet d'accord, dans son centre-ville. Aussi, une sécurité de proximité. Nous faisons propose création d'une idée qui finit faire sa preuve dans d'autres pays, ban correspondant de nuit. Un service d'aide, en hotline, patrouille, dans ban quartier chaudin. Pour aider la police, sans compétition, mais au contraire, pour soutenir, pour complémenter l'action de la police. Ban correspondant de nuit, pour une sécurité, mais aussi ban réseau d'alerte, dans ban quartier, dans ban place dans la ville qui arrive. Côté l'éducation. Encore une fois, on ne dit pas que l'éducation n'est pas concernée. Nous, c'est le ministère. Nous, on a garderie crèche dans une région plus pauvre. C'est là qu'il y a le problème. Là. Nous, on cause l'accompagnement scolaire des bonnes enfants en déroulé à l'école, en termes de leçons, l'encadrement durant les vacances scolaires. Nous, on appelle dans l'autorité centrale, le ministère de l'éducation, à un partenariat là-dedans, et du coup, bizarre, assume son responsabilité. Nous, vous foncez, nous, pour nous la santé. La santé, quand nous, on cause aussi une présence médicale dans un quartier populaire. Un service de dépistage gratuit, alors qu'il nous prévient dans le centre du monde de la maladie, non transmissible. Un conseil à nous de la nutrition saine, dans la pharmacie de garde, qui disparaît dans tout le maladie. Un service d'ambulancier d'urgence, et nous tous connaissons une misère dans le milieu de la nuit, d'urgence, pour l'hôpital, qui prend ce problème. Donc, problème national, c'est quand la municipalité, vous avez au-delà de sa vision minimaliste. Pour capable de poser logement, évidemment, la municipalité n'est pas capable de prendre la case, mais nous capables, nous, à identifier la demande du ban logement social. Transport intra-urbain qui demande à repenser, restructurer, réorganiser. Et finalement, nous cinquième là, développement économique. Alors, aujourd'hui, il y a un problème de chômage. Là, la municipalité est un rôle de jouer là-dedans pour encourager l'entrepreneuriat, en particulier chez les jeunes, dans les start-ups, mais aussi faciliter la création et le fonctionnement de votre PME. Nous vous proposons un guichet spécial dans chaque municipalité, un force tracking de toute bande de membres. Quand un petit monde en vient vers un petit abattis, un petit atelier, un petit business qui vient à la municipalité, l'Ivisel est un devoir sacré pour la municipalité traite d'urgence et facilite tout ce qu'il appelle PME. Mais tout cela, vous faire évidemment dans l'esprit de la ville verte, dans l'esprit d'un écologique. Un développement durable. Et nous souhaitons, nous, dépasser la rhétorique, ancrer ce concept-là dans l'action municipale, qui nous fait cause réduction de la déchet, le tri, qui vient d'appeler systématique partout dans la ville, qui nous fait cause le recyclage et le compostage individuel, qui nous fait cause l'énergie maîtrisée, façon qui nous fait clair dans le bâtiment public, dans le bâtiment municipal, qui nous fait cause d'un terrain vague, et tout ce que ça représente comme danger dans la ville, qui nous fait cause un service conseil par rapport à la dimension écologique de tout ce que va l'entreprise, de tout ce qui va nous faire en termes d'action.